Non, du tout, ça n'a pas trop pesé. On a revu le match, bien sûr. On a vu que ce qu'il fallait qu'on corrige, ce qu'on améliore. Et on l'a bien poussé cette semaine pour pas refaire ses erreurs et attaquer un match avec beaucoup de confiance et beaucoup de sérénité. Quel regard je reporte sur cette équipe de Toulon? Écoute, je pense qu'il y a un peu de changement, un peu d'évolution. Forcément, après ce qui s'est passé il y a quelques semaines, il y a toujours une réaction et des nouvelles choses qui vont être mises en place. Donc c'est plutôt faire un. Cette semaine, on a observé ce qu'ils faisaient. Certainement qu'il y aura des nouvelles choses, forcément avec un staff qui a un peu évolué, mais pas dans la totalité et pas sur tout leur système. Donc il va y avoir un peu de récurrence sur certaines zones. Mais là, cette semaine, ça a été surtout un gros focus sur nous-mêmes. Sur nous-mêmes, sur là où on pêche, là où on peut être en difficulté et comment réagir et comment s'adapter le plus rapidement possible pendant un match sur nos moments, on va dire, un peu faibles. Essayer de remettre l'agressivité au milieu du débat, d'essayer de marquer l'adversaire comme on a su le faire quelquefois cette saison et pas à La Rochelle. Et je pense que ça sera primordial samedi contre Toulon. Donc vraiment être agressif et dominer notre sujet à nous, ce que nous on va faire. Et après, ça découlera de, j'espère, dominer l'adversaire, mais d'abord dominer notre sujet à nous. Et pour moi, c'est le plus important. Mais dans nos têtes, être plus dur et vouloir se faire mal pour chacun d'entre nous. Et beaucoup se déplacer et accepter le défi physique. Ouais, exactement. C'est le mot qu'on emploie, nous, c'est un peu la rudesse. Et la rudesse et se faire mal, quoi. Parce que si on circule plus vite qu'eux, qu'on monte fort, qu'on va les plaquer bas, c'est des joueurs solides, Toulon. Tout le monde les connaît. Donc il va falloir voilà, les agresser, aller les chercher et être bien plus rude. Et pour moi, tous ces mots-là, ça caractérise une défense qui est en place. Donc voilà. Jouer la phase aller, peut-être pas sur ce match-là. En tout cas, oui, tous les matchs à domicile sont importants. Il faut engendrer le maximum de points. Aujourd'hui, ce qu'on a envie, c'est vraiment de gagner. Outre de gagner sur le résultat, mais aussi de gagner en confiance, valider aussi tout le travail qu'on a mis en place depuis quelques semaines. Donc oui, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose de pouvoir gagner de ce week-end, essayer de tout mettre en place pour gagner ce week-end. Et ouais, ça donnerait aussi du baume au cœur un peu à tout le monde. Ça réveillerait un peu tout ça. Et puis ça permettrait de mettre une bonne dynamique pour la suite des choses. Pour gagner, il faut être rude un peu. C'est juste ça, agressivité. Parce que ça va être avec le temps et tout, ça va être un bon match de rugby. Et il faut qu'on ait agressif pour gagner.